l'harmonie d'une silhouette, c'est d'un savant mélange de différents volumes et de différentes courbes, notamment du volume des seins, de l'étroitesse de la taille, des formes du bassin, du fuselage des jambes et des cuisses, bien évidemment. Pour affiner une silhouette, c'est bien entendu la lipoaspiration qui joue pleinement son rôle, permettant de diminuer les excédents graisseux là où ils sont, mais également d'utiliser cette graisse pour recréer des volumes là où l'on en manque, notamment au niveau des fesses, par exemple, mais aussi parfois des seins, ou au niveau du bassin, au niveau de la fosse iliaque externe, et parfois même au niveau des mollets, pour créer un galbe à ce niveau. La lipostructure consiste donc à prélever de la graisse sur le corps par lipoaspiration et à la réinjecter pour créer des volumes et des courbes. Elle nécessite une fine lipoaspiration pour ne pas traumatiser la graisse, c'est un tissu vivant qu'il faut réinjecter. Et elle nécessite également une mise en place très minutieuse de petits amas graisseux pour qu'ils puissent prendre et se greffer. Il est évident qu'un amas graisseux trop important ne peut pas prendre, ne peut pas se greffer. Donc nous devons injecter de petits amas graisseux très finement. C'est pour ça que cette intervention lipostructure prend du temps. Les suites opératoires de ces interventions de lipoaspiration et de lipostructure sont assez simples. Elles se réalisent la plupart du temps dans la journée. Il y a bien sûr un peu d'œdème au niveau des zones traitées pendant quelques semaines, mais tout cela n'a rien d'invalidant et la reprise de l'activité est possible la plupart du temps dès le lendemain. Le maître mot de la chirurgie et de la médecine esthétique aujourd'hui sont bien sûr douceur et simplicité des suites. Et en ce sens, la lipoaspiration et la lipostructure ont apporté leur quota de douceur, de simplicité. En ce sens, une technique a très récemment vu le jour, elle ne saurait certes pas remplacer la lipoaspiration, c'est la cryolipolyse, qui consiste à pouvoir traiter de petits amas graisseux par le froid, en utilisant une ventouse et un refroidissement graisseux, et à obtenir ainsi une réduction du volume des bourrelets traités.